Je rêve d'un monde où la non-voyance n'est pas considérée comme un frein. Dans lequel on est plus stigmatisé parce que vivant avec une mobilité réduite. Je rêve d'un monde où la grandeur ne se limite pas à la taille. 1m90. Et je rêve de ne pas paraître idiote parce que je ne veux pas être sportive ou mannequin. Je rêve qu'on arrête de me critiquer sans cesse à cause de mon poids. Qu'on arrête de m'appeler rebelle à l'école parce que je suis un Touareg. Je rêve de ne plus être considérée comme un objet de sacrifice à cause de ma couleur de peau. De ne pas avoir à fuir mon pays pour mon appartenance à mon ethnie. Porter mon voile librement sans être jugée. Je rêve d'avoir une belle carrière sans être indexée d'une femme à ne pas épouser. Je rêve d'être libre de rêver. Parce que chacun compte. Parce qu'on est tous un. Parce que chaque ethnie est amour et bienveillance. Parce qu'aucune culture ne se suffit à elle seule. Parce que chaque différence est magnifique. Parce que chaque différence est magnifique. Parce que chaque différence est magnifique. Merci. Bonsoir, car actuellement il est 23h et nous sommes à Bamako. Ou bonjour si vous vous retrouvez actuellement à Séoul, capitale de la Corée du Sud. Vous êtes en direct sur En Live. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. En Live, c'est votre fenêtre ouverte sur le Mali pour les Maliens d'ici et d'ailleurs. Ce soir, c'est un événement sur le plateau de En Live. Avec Sakura, il a fait le tour du monde pour défendre les couleurs et la culture du Mali. Retenez bien, en décembre 2015, il fait la scène d'entrée de Booba à l'accord Hôtel Arena de Paris-Bercy devant des milliers de personnes. En novembre 2017, il est invité en guest du Grand Bal de Bercy par son père, Youssou N'Dour. En 2018, après une tournée triomphale, il est sacré aux victoires de la musique avec Fatoumata Diawara, M. Toumani, son papa, avec l'album L'âme au Mali, nominé aux Grammy Awards, grand vainqueur de la deuxième édition de African Talent Awards. Il est le jeune artiste le plus récompensé de l'histoire du Mali. Ladies and gentlemen, chers followers de En Live, ce soir c'est un événement sur le plateau. Un maximum et honneur d'applaudissements depuis chez vous et sur le plateau de l'émission pour Monsieur Sidiki Diabaté. Applaudissez pour Sidiki, le musicien. On applaudit. Bonsoir Sidiki. Bonsoir. Tu enlèves le micro en attendant ou tu peux déjà te poser hein, si tu veux. Parce que je sais que tu as hâte. Comment vas-tu? Alhamdulillah, je vais très bien. Très bien. Donc dis-moi Sidiki, le monde est touché par la Covid-19 en ce moment. Comment toi tu vis ta vie d'artiste actuellement? J'avoue que c'est vraiment difficile. Mm-hmm. Et c'est pas évident.
Okay. Mais on est obligé de faire avec. Et c'est le moment, c'est le temps. Dieu a décidé ça ainsi. Okay. Et on va respecter la consigne donnée. Et on va prier que le monde soit en paix. D'accord. On rappelle également à tout ce qui nous suit actuellement sur en live que même aujourd'hui, exceptionnellement, on a respecté les mesures barrières parce qu'on a réduit le nombre de musiciens pour respecter les distanciations sociales parce qu'il y a un mètre entre Sidiki et moi déjà dans ce studio-là. Sidiki, au Mali, le secteur de la culture est l'événementiel le plus touché par cette pandémie. Toi, personnellement, tu penses que nos autorités ont assez fait pour les acteurs culturels ? Je pense que au jour d'aujourd'hui, la culture est aidée quand ça arrange. La culture est aidée quand ça arrange. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par exemple, c'est quand on a besoin de vous c'est quand on a besoin de vous qu'on se souvient de nous. D'accord. Et c'est pas évident. C'est pas normal. C'est pas normal. Mmh. Et je pense que la culture rapporte plus que le football aujourd'hui au Mali. Mmh. Et c'est dommage. Ce qui sous-entend que tout récemment, on a donné l'autorisation à deux manifestations, alors que toi, Sidiki, on ne peut pas t'autoriser ça à faire un concert. Ça fait plus de plusieurs mois qu'on est là, on est assis. Mmh. On prépare l'album, on passe du temps avec la famille. Mmh. Et il n'y a pas d'entrée. Donc pourtant, on a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On a perdu beaucoup, 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 beaucoup d'argent parce qu'on avait préparé des albums, on avait préparé des concerts, des tournées, des trucs annulés. C'est une très grande perte d'argent. C'est une perte énorme. Voilà. Donc ça, c'est plus de 200 millions de pertes. Pour toi, personnellement ? Pour moi, ouais, personnellement, ouais. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, Sidiki, tu as perdu quoi, là ? Ah, en tout cas, ni, comme on le dit en Bavara, ni Boama l'a dit. Ah, Boaita l'a dit. Boaika Sabalika, tout Sidiki, qui a concert. Wallahi. Voilà, ça, c'est un concert. On va boire pour Bavali. Sidiki, on va aussi parler de ce que tu viens de dire tout de suite. C'est ce projet-là qui est en cours, c'est l'album que tu prépares. Parce que tu profites de ce temps mort, je vais dire, pour être tout le temps dans le studio. Et tu prépares quelque chose de spécial. Oui, en fait, ces temps-là, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Ok. Et ça a encore renforcé ma foi avec Dieu. Super. Et encore, ça m'a permis de passer du temps avec ma famille parce que je n'avais pas le temps. Je voyageais tout le temps. Ok. Et il y avait vraiment pas le temps. Mais Alhamdulillah, Rabbi l'ami, ça m'a donné le temps de encore me reconstruire, encore faire des choses extraordinaires qui va mettre le drapeau plus haut, qui va mettre, comme on le dit, le pétrole sur le feu. Oh, d'accord. Tu vas amener la culture là où elle n'a jamais été. D'accord. Inch'Allah. On a eu l'occasion d'écouter déjà quelques singles, notamment Woni qui cartonne partout en ce moment. Woni. C'est quoi la différence entre cet album que tu es en train de préparer et les albums de Sidiki ? Parce que c'était un album ouvert. Mm-hmm. Sidiki a changé beaucoup de choses. Mm-hmm. Sidiki a changé le style, changé de texte. On parle d'autres choses qu'il n'est pas d'amour. On parle de beaucoup de choses. D'accord. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'accord. On a écouté Conscience Tranquille, dans le clip déjà cartonne beaucoup sur les réseaux. Et puis Woni qui devient un tube phénoménal en ce moment, tout le monde veut écouter. Ouais. Et franchement, Sidiki, on aura l'occasion de revenir sur ce plateau parce que tu as choisi le cadre idéal pour donner le live comme il le faut à tous qui nous regardent en ce moment sur la page Facebook et sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, sur tous ces réseaux-là qui diffuse en ce moment ce concert direct sur en live de notre invité de ce soir, Monsieur Sidiki Diabaté. Vous avez aussi la possibilité d'interagir avec nous. Laissez vos questions en commentaire. Nous aurons l'occasion de revenir juste après. Tout de suite et maintenant, c'est place au live parce que Sidiki a l'art de vous faire danser. Ce soir, on commence avec quoi ? Bon, le génie.
Baba, les génies. Soumalé, voilà, ma kalama. On commence avec quoi, Baba? Soumalé, en douceur. En douceur. C'est parti. Je reviens juste avec après. Ninga ningani. Ninga ningani pour vous. À tout à l'heure. Afoja wate wa miuze. Jawate wa miuze. Kala jula sango. Yeah.
Ce soir, Sidiki Diabaté, en live, on est ensemble. On va faire un bel show. J'ai la conscience tranquille, rien à foutre de ce que vous dites. J'ai la conscience tranquille,
J'ai la conscience tranquille, j'ai la conscience tranquille, tranquille. Rien à vous de ce que vous dites. J'ai la conscience tranquille, j'ai la conscience tranquille, j'ai la conscience tranquille, tranquille. Rien à vous de ce que vous dites. Manu. Je vois, ils veulent me salir. Des ennemis cachés, prêts à tout gâter, je les vois venir. Ils ont tout dit, ils ont tout fait, mais je reste invincible. Face aux critiques, je reste sensible. A la l'arena, ma salarena. C'est Dieu donné, c'est Dieu qui m'a donné. A la l'arena, ma salarena. C'est Dieu donné, c'est Dieu qui m'a donné. J'ai la conscience tranquille, j'ai la conscience tranquille, j'ai la conscience tranquille, tranquille. Rien à vous de ce que vous dites. J'ai la conscience tranquille, et j'ai la conscience tranquille. Conscience tranquille, 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 tranquille. On est ensemble, Siri Kidjabaté en live. Et, au lieu de se critiquer, pensons à travailler. Au lieu de se critiquer, pensez à monnaie. Au lieu de se jalouser, pensez à monnaie. Au lieu de se critiquer, pensez à monnaie. À tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui m'ont aimé, à tous ceux qui m'ont pas manqué de l'affection, moi je vous aime. A la l'arena, femme à l'arena. C'est Dieu donné, c'est Dieu qui m'a donné. A la l'arena, passe à la l'arena. C'est Dieu donné, c'est Dieu qui m'a donné. J'ai la conscience tranquille, conscience tranquille, conscience tranquille, conscience tranquille. Allez, conscience. J'ai des reins.
passage en Côte d'Ivoire pour aller au Congo Brazza jusqu'au Congo Kinshasa. On est ensemble, Sidiki Djawate et Djawate Bamiouze. Attends-le, attends-le. Tic-tac, 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 tic-tac. Hey, Koromas. Merci. Koromas. Djawate Bamiouze. Koromas. Enlève pour vous, par vous. Et depuis chez vous, Kalajula, ça va, ça se passe bien? Ouais, on s'amuse bien. On est en direct sur la page Facebook, sur Instagram, sur YouTube et sur Twitter de Enlève ce soir pour un événement. C'est Sidiki Djawate Enlève. Mesdames et messieurs, c'est un événement ça. C'était bien tout à l'heure, on applaudit pour lui. On est dans le studio, c'est normal. Ça va, comment ça se passe? On s'amuse entre nous. On a demandé aux internautes de réagir, de poser des questions, mais il y a pas mal de compliments. Il y a beaucoup de gens qui disent... La fierté du Mali, que des cœurs. Comment ça te fait, toi, en tant qu'artiste, que les Maliens, vraiment, et te complimentent comme ça? Comme on le dit, comme on le dit ici, sautez pas à Denga Monoma. Et je tiens ça de ma famille. Je suis de la 72e génération et mon père est de la 71e génération. De père en fils, de père en fils, des joueurs de quoi. Et c'est très 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 important. C'est important que en tant que griot, en tant que détenteur de la carte d'identité de la culture africaine, que je représente ce drapeau qui est le vert, jaune, rouge, à travers le monde et à travers chaque passage de ma vie. C'est très important. Merci. Sidiki, ce surnom Poutine, comment c'est venu, hein? J'aime dire que Poutine, Poutine, c'est juste... Vladimir Poutine de la musique. Ouais, c'est ça. Parce que il est précis dans ce qu'il fait. D'accord. Et ses actes sont indiscutables. Par rapport à son influence. D'accord. Et je trouve que mon talent est indiscutable. Je trouve que ce que je fais pour rendre fier mon pays est indiscutable. Ok. Et c'est pour ça, à travers ma musique, je pense que ma musique est indiscutable, culturellement parlant, selon le mélange, avec le mending, arriver à trouver un disque d'or, de platine, être nominé aux Grammy Awards, tout ça, tout ça. Victoire de la musique. Victoire de la musique, tout ça, tout ça. La vie du Mali, Barsi. Avec la Cora. Tout. Avec ce mandin qu'on a toujours écouté avec le Sundiata, les Tiliamwarin, les Bambouchi. Bah, ok, d'accord. C'est indiscutable. D'accord, on est d'accord. Tu dis qui c'est Vladimir Poutine, alors. Alors. Sidiki, revenons en arrière un peu, on va encore parler de cet album-là. Est-ce qu'il y a des featurings sur l'album? Il y a des featurings, des grands, grands, grands featurings qui arrivent. Comme qui, par exemple? Ça sera une surprise. Non, s'il te plaît. Deux personnes qui seront sur l'album de Sidiki Djawate. En exclusivité sur En Live. Écoutez bien. Il y a Bram Cito déjà. Noté. Hein? Il y a Kenji Girac. Oh là là, Kenji Girac sur l'album de Sidiki Djawate, les followers. Il faut bien noter, Kenji Girac. Et encore, comme peut-être, même pas peut-être, comme il y a Lewis déjà. Il y a beaucoup d'artistes qui sont là. Que des surprises. C'est bon comme ça, parce que les gens vont peut-être aller... Allez, Sidiki, tout ce qu'on va faire, mais on vient de citer des artistes qui sont... Il y a des artistes maliens aussi? Si, il y a des artistes maliens. C'est encore un peu? Deux artistes maliens? Peut-être. Peut-être qui? Peut-être Oumou Sangaré aussi. Ouh là là, la diva Oumou Sangaré. Ah, la maman. Un rappeur? Oui, il y a un rappeur. Qui? Mon petit frère, Ahmed Djawate. Le grand frère de la famille. Ahmed, c'est le grand frère. Mesdames et messieurs, vous avez aussi encore la possibilité de laisser vos questions en commentaire. On va revenir encore. Je sais que vous êtes en train de danser depuis chez vous en ce moment. Vous êtes sur
la page Facebook, sur YouTube, Instagram. C'est en live. Et l'événement ce soir, c'est le live de Krala Djoula Sidiki Diabaté. C'est parti. On revient juste après. Yeah. Te Ashura le Kala Djoula Sangoy Balaba Djaba Deone Muso Nyumale Himatama Bebe Muso Nyumale Ah Muso Nyumale Bebe Nela Mamba Mon Bebe Nela Titiri Fonsele la timi manine I kana complexe I sakona kubeki Mongera valile Nibina ninga kumare fie Anga nyoko nsoronga Wonina bebe Wonina Wonina Neka wonina Anga nyoko nsoronga Wonina bebe Wonina Wonina bebe Wonina Anga nyoko soronga Rumpoemba Mi mani dei bebe neti la toro fe ndia ndia lelo ndia le ndia le ni wari godo nebe wari nima mena ne soro godina ni salu godo nebe salu nima eh ne soro godina nega geshala nega wonina Ibizana, anga nyoko soro kuinina, bebe. Imatamale, jugulu nyana, nyongolu nyana, jalulu nyana, eskorolu nyana, musomazale ye. Imatamale, ngujugulu nyana, jalulu nyana, nyongolu nyana, eskorolu nyana, musomazale ye, bebe. Rompo en bala, rompo en bala,
On s'amuse. Ce soir, Sidiki Diabaté en live pour vous. Je tiens à saluer mes nobles. Amalanyang, Baruba, Leura 1212, Mamala, Baruni Gambi, Abdine Yatara Donso, Tando Karim Soumano, Tando Mama Suraga, Shinla, Yakaka Kacho. On est ensemble. Aménior Mboula Amtanaïde, T. Ashura, Neka Sponsor. On est ensemble. Zahara, on est ensemble. Zahara, on est ensemble. Yeah. On continue la famille. On continue la famille. Ok. Amtanaïdron. Là, tout de suite, on a encore donné fort. On a dit que nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Fin de nord là. Ni connexion mi boulot. Ni vous savez que nous sommes là. Ni vous savez que nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. On est ensemble. Thank you.
Avec ses amis, Baba les génies, Madou Tungara et mon grand piano saxophoniste. Yeah. Thank you.
En live ce soir pour vous, pour le monde entier, bientôt.